Carole, bonne journée. Au revoir. Et tout. Est-ce que j'ai fini? Eh oui, ma belle. Oh, il n'est pas trop tôt, j'ai gassé ça, travailler le samedi. Non, tu t'en es très bien tiré. Heureusement, je vais pouvoir venir faire les traitements ce soir puis demain. Tu vas quelque part? Oui. Je m'en vais dans les Adirondacks. Je m'en vais faire de la marche en montagne. Oh. 2 jours avec Paul. Ah! Avec Paul? Eh oui, c'est un test. S'il est capable de passer 2 jours sans me parler de son ex, là, ça va être bon signe. C'est drôle qu'il n'arrive pas à décrocher, hein? Avec une belle fille comme toi. Non, mais c'est ça que je me dis. Moi aussi, j'ai hâte de finir. Je m'en vais voir le Cirque du Soleil. Ah, chanceuse! Non, oui, écoute, ça fait 6 mois que j'ai acheté les billets. Ah oui? Oui. Docteur Constantin, vous vous ennuyez de nous autres? Pas du tout. Je suis venu faire le tour des cas avec vous, Docteur Pelletier, avant que vous partiez, vu que c'est moi qui ai de garde en fin de semaine. Je vous ai laissé des notes très détaillées, mais on peut faire le tour ensemble si vous préférez. Oui, on est en peinture à la maison. Là. J'aimerais ça finir ça en fin de semaine. On redécore la chambre à coucher. Ça va être beau. Oh, faudra aller voir ça. Vous devriez faire un party. Et en plus, ça fait longtemps que j'ai pas vu les enfants. Ah oui, les enfants, ils sont chez ma soeur. C'est plus facile de rénover quand ils sont pas là. Vous auriez vraiment pu venir juste ce soir? Vous me téléphonez? Non, non, non. Fallait que je vienne de toute façon. J'ai une réunion pour le congrès. Le docteur Jobin. Oh. Ben oui, ben oui. C'est le docteur Raymond qui va être jaloux. Bon, donc, il va être là, lui aussi. Oh. Ben voyons, je pensais que... Oui, je sais ce que tu penses, mais c'est une des dernières rencontres qu'on va avoir. Le financement du congrès va être fini après ça. La peinture, puis le docteur Raymond en fin de semaine. Non, c'est pas des vacances, ça. Mais ça. Non, mais je pense qu'il peut rien m'arriver de pire. Pascal! Oh! Hé, je suis content de te voir. Forcez pas pour rien, après vos bagages. Je vais vous aider à les descendre. Mais non, c'est correct. J'ai juste une autre petite valise, c'est tout. Je m'en vais pas à Québec pour bien longtemps. Et vous partez pour rien aussi. Mais pas du tout. J'aime ça aller voir ma soeur de temps en temps. Et puis, ça va vous faire une petite fin de semaine tranquille. Hein? Déjà, vous vous voyez pas tellement souvent pendant la semaine. Ouais. Et puis, je vais préparer un beau petit souper à Jean-René. J'ai trouvé une super bonne recette de galettes au fromage de chèvre et puis une lasagne carottes et pesto. Oh, te trouve bien bonne d'être inspirée par ta recette végétarienne. Oh, je vais être trop vieille. Non, non, j'y arrive pas. Non, c'est pas si pire. Non. En tout cas, j'espère que vous allez passer une belle soirée d'amoureux. Hein? Sauf ça, c'est plate que Jean-René soit obligé de travailler une fin de semaine sur deux, là, vraiment. Ouf. Vous êtes pas assez souvent ensemble. C'est pas bon, ça, pour un couple. Mais oui, mais on n'a pas vraiment le choix. Oui, mais si vous arrivez pas, moi, je peux très bien... Non, vous nous aidez déjà beaucoup. Je peux quand même aider encore. Ah, allez, faut que j'aille continuer mes bagages. Si je vais être prête quand Jean-René va arriver. Ah, oh, puis je voudrais pas manquer mon autobus. Ben, si vous le manquez, vous resterez avec nous autres. Pour manger de la lasagne aux carottes? Plutôt faire du pouce. Hé, hey, Boucher, je sais pas ce qu'il a pris d'essayer de pondre un œuf, elle a même pas de mâle. Ben, c'est pas important, ça va aux poules. Ils ont pas de mâle, puis ils pondent pareil. C'est bien trop vrai. Non. Hé, t'es brillant, mon Pascal. Mais j'avais pas pensé à ça, hein? Mais t'as bien raison. Une perruche, c'est pareil qu'une poule, mais en plus petit. En tout cas, débouche-la, hein, parce que ma petite dernière est bien attachée à son moineau. À pâle, tu sais. C'est normal. À 3 ans. Je parlais pas de la petite, je parlais du moineau. Assez au moins 20aine de mots. Si elle savait dire aïe, elle le dirait. Bon, ben, venez avec moi, je vais m'en occuper. C'est moi qui travaille aujourd'hui. Ah. C'est parce que Pascal, c'est mon grand chum. C'est lui qui s'occupe de ma ménagerie d'habitude, hein, mon Pascal? Non, mais le docteur Pelletier peut très bien s'occuper de votre moineau. Mais votre perruche. Moi, je peux pas, là. J'ai une réunion pour un congrès, là. Tu peux bien te stretcher, là. Tu travailles tout le temps. En tout cas, si tu me dis que la docteur est bonne, c'est bien correct pour moi. D'abord, que ma pauvre perruche débloque. Venez par ici. Bon, ben là, je suis sûr qu'il peut rien m'arriver de pire. Oh, j'aime pas ça quand vous dites ça. J'ai l'impression que vous appelez le malheur. Oh, t'es trop superstitieux. Ah, ben là, j'ai assez hâte d'en être débarrassé. Sinon, t'auras jamais vu une réunion aussi courte que ça. Pascal, Pamela, ça fait longtemps que j'avais pas eu le plaisir de vous voir. Ah, ça nous a pas fait de peine pantoute. Bonjour, Marlène. Bonjour. Pascal, je sais que tu fais un gros effort aujourd'hui pour faire cette réunion à trois. Oui. C'est pour ça que je vais en faire un moi aussi et que je te propose d'enterrer définitivement l'âge de guerre.
on recommence, là, sur de bonnes bases, hein? Et alors, en gage de mon amitié, voilà! Un bon Châteauneuf du Pape et un Saint-Estèphe de ma cave personnelle. Tu boiras ça avec Joanne. Ils sont délicieux. Oh, que c'est gentil, c'est très, très, très bien. Merci. Bon, commences-tu, là? C'est parce que j'ai pas l'habitude de discuter argent un samedi. Oh, c'est toi qui as dit que tu voulais faire une réunion. Je sais très bien ce que j'ai dit. Vous y enlevez pas son œuf? Non, pas tout de suite. Elle est déshydratée. On va laisser le temps à l'afflux d'eau de faire effet. Je veux qu'elle reprenne des forces un peu avant de la manipuler. C'est vous le docteur? Mm. Pauvre petite bête. Ça fait pitié pareil, hein? Oui. Mm. Moi, quand mes chèvres ont de la misère à mettre bord, capable de les aider, il y a de la place pour travailler, au moins. Je sors la livre de Saint-Doux, là. Je me graisse comme il faut, là. Puis là, là, je me rentre le bras dedans. L'envoie fort. Mais là, Geneviève voulait pas assez. C'est votre petite dernière, ça? Non, ma troisième. Femme. Ah. Pascal vous a pas compté ça? On a accouché ensemble de ma petite dernière. C'est ma septième, celle-là, avec ma troisième. Puis elle, c'est sa deuxième. Mais ça va être notre dernière. Sept, c'est bien en masse. Vous trouvez pas? Oui. Ah ben, bonjour, M. Séguin. Comment va Serge? En pleine forme, Toho, aussi fin. C'est votre combienième, celui-là? C'est pas un de mes enfants, c'est mon amour! Mais, en raison, non. Serge, la mort, je la trouvais plus drôle. Je l'ai appelé Dali. Ah, comme le peintre? Non, comme le prêtre. Le Dali, la mort. Je le trouvais tellement calme. Puis la mort, là, sa vie dans les montagnes, c'est comme les moines. Oui, c'est pas les mêmes montagnes, par exemple. Bon, c'est un détail. Ouais. Bon, ben là, moi, j'ai fini. Salut tout le monde, bonne fin de semaine. À la prochaine, M. Séguin. Je pense revoir Dali si tu t'ennuies. Oui, merci. C'est ça, au revoir. Tu t'en vas? Oui. Tous les animaux sont nourris, les cages sont propres. J'ai fini. Faut que je me dépêche. Je dois aller reconduire ma grand-mère au terminus d'autobus, moi. Petite fin de semaine en perspective. Exactement. Bonne fin de semaine. Salut. Hein? Suzy? Jean-René, je suis contente que tu sois là. Mes chiens sont malades. Ah, Suzy. Ça fait combien de temps qu'ils filent pas? Je sais pas, ça fait juste trois jours que je les ai. Trois jours? Sais-tu s'ils étaient déjà malades quand tu les as eus? Je pense bien que oui. Au début, je pensais que c'était le stress, mais là... Ouais, mais tu t'es fait refiler deux chiens pas mal en point. Ils sont fiévreux, déshydratés. Sais-tu s'ils ont été vaccinés? Aucune idée. On pourrait peut-être appeler l'ancien propriétaire. Non. Oublie ça. Bon. Faut les hospitaliser puis les réhydrater. Ils sont sûrement contagieux, là, parce qu'ils sont malades tous les deux. À moins que ce soit un empoisonnement, mais d'habitude, ils font pas de fièvre. Hein? Oh, sais-tu s'ils ont été en contact avec des produits dangereux? Insecticides, herbicides? Je sais pas. Mais t'es achetés où, ces chiens-là? Je les ai pas achetés. Ils ont été repris à un propriétaire qui s'en occupait mal, puis on me les a confiés. C'est très généreux de ta part, là, mais il va peut-être falloir que t'en parles avec celui qui te les a laissés. Hein? Deux chiens de cette taille-là à traiter, ça coûte pas mal cher. C'est pas grave. Essayez de les sauver. Après tout ce qu'ils ont enduré, ce serait bête qu'ils meurent maintenant. Moi, je vais m'arranger pour vous payer. Tu t'embarques toujours dans des histoires pas possibles, toi, hein? Ah, qu'est-ce que tu veux? C'est pas mon âge que je vais changer, hein? Au moins, tu t'attaches plus au port des cliniques pour empêcher le dégriffage. Mais non, je suis toujours comme, mais j'ai trouvé d'autres façons de militer. Oui. Bon, ben, on va discuter de militantisme plus tard, hein? Jean-René va nous préparer deux cages incontagieux. OK. Moi, je vais avertir Constantin que sa garde de fin de semaine vient de s'alourdir pas mal, là. Inquiétez-vous pas, il va arriver bientôt. Oh, je suis pas inquiète. Puis il y a des autobus à presque toutes les heures pour Québec. Voulez-vous une tisane? Non, non, merci. Comment ça se fait que Théo, il va pas avec vous? Oh, ma soeur aimerait pas ça. Elle l'aime pas? Je la connais même pas. Non, non, c'est juste le concept qu'elle aime pas, là. Elle me trouve complètement folle de m'encombrer d'un homme à mon âge. Sympathique. Mais si t'avais connu son mari, t'en comprendrais, hein? Eh bien, mieux depuis qu'elle est veuve. Pourtant, si elle rencontrait Théo, elle se rendrait compte que ça vaut peut-être la peine d'avoir un homme dans sa vie. Oh, c'est vrai qu'il est fin. C'est un homme d'une délicatesse rare. Et puis, il est drôle, en plus. Oh, c'est bon de vous entendre parler de lui comme ça. Des fois, j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment amoureuse. Ah, oh, ben, je n'ai pas dit que j'étais amoureuse.
Je m'entends très bien avec Théo. Mais je voudrais pas qu'on vive ensemble. Et pourquoi? Ben parce que je suis trop vieille pour me réhabituer à vivre avec quelqu'un d'autre à mon âge. Ben oui, mais vous vivez bien avec nous autres. Ben oui, mais c'est pas pareil. Je parle d'une vie de couple. Vieillir avec quelqu'un que t'as connu puis aimé pendant des années, ça, c'est une chose. Mais se réhabituer à partager l'intimité d'une personne à mon âge, ça me tente pas. Ah, vous voulez pas coucher avec lui? Ah, j'ai pas dit que... Bon, ben, puisqu'il faut être aussi clair avec toi, t'en plains ça, non, ça me tente pas. J'ai 72 ans. Je vais pas m'encombrer d'un amant à mon âge, certain. Oui, et Théo, qu'est-ce qu'il pense de ça, lui? Coudon, j'en viens-tu, Jean-René, là? Ben oui, qu'est-ce qu'il fait? S'il se dépêche pas, on va être obligé de continuer à jaser. Hein? Deux chiens! Oui, c'est une amie de Jean-René, là, une espèce de militante là, pour les droits des animaux, ce que j'ai pu comprendre. Quoi? Encore elle? L'espèce de folle là, qui s'est attachée après la porte de la clinique? Oui, c'est ça. Ah, ben, vous la mettez dehors, elle a rien à faire ici. Qu'elle a fait soigner ses chiens ailleurs. On peut pas faire ça. Puis de toute façon, je les ai déjà installés dans le sous-sol d'un contagieux. Parce que je pense que... Ah, parce que vous pensez qu'ils sont contagieux en plus? Ben, il y a des grosses chances, oui. Mais là, le problème, c'est que j'arrive pas à trouver de diagnostic. Je suis désolée, là, mais moi, je peux pas rester. Bon, écoutez, est-ce que c'est possible pour vous de commencer les traitements pendant que moi, je finis ma réunion? Je peux rester, là, mais il faut vraiment que je parte dans une heure. On va finir. Je comprends pas le plaisir que vous pouvez avoir à garder un oiseau emprisonné durant des années dans une cage qui est à peine assez grande pour qu'il puisse étendre ses ailes. Mais pas dans sa cage, la journée. Elle est heureuse, c'est le frigidaire. Elle vole partout ce qu'elle veut. Eh bien, sans bon sens. Elle est dans sa cage, juste pour la nuit, puis c'est elle qui rentre dedans quand elle tenait. Bientôt, là, ça va être complètement interdit de posséder des animaux exotiques. Savez-vous combien il en meurt durant le transport de ces oiseaux-là? Non? Des millions à chaque année. Oh, oh! Ben, les perruques, c'est pas exotique, ça. Ça fait longtemps qu'on les élève ici. C'est un de mes voisins qui me l'a vendu, celle-là. Puis ça doit bien faire 12 générations que ses ancêtres sont partis d'Afrique. Ça vient d'Australie, les perruches. C'est un détail. Faites-vous ça pour gagner votre vie, vous chiolez tout? Je ne chiale pas. J'informe les gens de tous les mauvais traitements qu'on fait subir aux animaux. Il faut que la population mondiale se réveille et refuse de continuer de maltraiter les animaux. On n'a aucun droit sur eux. Ils étaient ici bien avant nous. L'espèce humaine, là, ben c'est la pire saloperie que l'évolution a créée. On est tellement imbus de notre supériorité qu'on oublie... Quand vous êtes tanné, M. Séguin, vous dites de se taire. Hein? C'est une extrémiste qui vaut plus clair. Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Comment vont mes chiens? Ils vont pas plus mal, puis pas mieux que tantôt. Docteur Pelletier, pas ici? Ben non, j'attends pour ma perruque. Elle est allée parler à Pascal, puis elle n'est pas revenue encore. Je suis là. Bon, on va voir si votre perruche va assez bien pour que je puisse lui enlever son œuf. Parfait. Parce qu'il faut que je retourne chez nous au plus sacré. Je ne veux pas laisser ma Geneviève toute seule pour le train. Vous élevez des vaches laitières? Non. Les vaches, je les insémine. Oh mon Dieu. Moi, j'élève des chèvres. Ah. On a-tu le droit à ça dans votre religion? Bon, d'abord, c'est pas une religion. OK, c'est beau. Hein? Maud, est-ce que t'as encore besoin de moi? Non, ça va, merci. Bon, parfait. Bonne fin de semaine. Suzy, viens-t'en. Tu peux pas rester ici. Tu peux pas passer la fin de semaine ici. Oui, hein? Oui. Vous allez prendre bien soin de mes chiens. Promis. Là, j'ai fini. C'est vrai. Ah, c'est pas trop tôt. Non, certain. Pourrais-tu appeler chez nous, s'il te plaît, pour leur dire que j'arrive dans pas long? Ma grand-mère doit commencer à s'inquiéter. Aucun problème. Merci. Oh, t'habites chez ta grand-maman? Elle nous a donné sa maison. C'est la moindre des choses qu'elle habite avec nous. Hein? Oui. Bon, salut. C'est ça, bonne fin de semaine. Bye. C'est ça. C'est elle. Les chiens doivent pas être loin. Recueillez tous derrière le comptoir. Je suis le lieutenant des chaînes de la Sûreté du Québec. Cet établissement est en quarantaine. Personne ne peut en sortir ou y entrer jusqu'à nouvel ordre. Mais voyons, mais c'est quoi cette histoire-là? Tu y as donné. Maudit traître! Bon, laisse faire le traître, OK? Là? Tu nous as tous mis en danger en emmenant ces chiens-là ici.
Moi, j'en reviens pas que t'aies volé deux chiens dans un laboratoire de recherche. Non, je les ai libérés de l'esclavage. Est-ce que c'est dangereux pour nous? Je vais vous expliquer ça tantôt. Qu'est-ce que vous allez leur faire? Ça vous regarde pas. Espèce de lâche. C'est facile de martyriser des animaux innocents bien protégés derrière votre masque, hey, hein, vous? Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes folle ou quoi? Non, pas du tout. Je fais avancer la science, moi aussi. Vous allez pouvoir tester les effets de vos cochonneries directement sur un humain, vous-même. Imaginez comment vos observations cliniques vont être précises. OK, Jean-Pierre, ramène les chiens au labo, commence les tests et reviens avec l'équipe de décontamination. Je suis désolé, lieutenant Deschaine, mais je peux plus sortir d'ici. Je vais m'occuper de tout. Est-ce qu'il y a d'autres personnes ici? Qu'est-ce que c'est ça? C'est l'Halloween ou vous avez des problèmes de coquerelle? Elle est encore ici, elle? Vous, là. C'est qui, ces deux-là? Ben, j'espère qu'il n'y en a pas d'autres. Oh, là, je commence vraiment à être inquiète. Il a dû se passer quelque chose, une urgence, là. Je vais m'appeler quelqu'un qui va venir me conduire. Attendez! Attendez, je vais appeler à la clinique avant. Oui, mais s'il est encore là, là, dis-lui de laisser faire. Hein? Je vais me trouver quelqu'un. Oui. Bonjour, Pamela, c'est Marjolaine. Comment ça va? Hein? En quarantaine? Mais c'est quoi cette histoire-là? Oui, 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 passe-moi Jean-René. La clinique est en quarantaine, tout le monde est coincé là. Jean-René? Oui. Ah oui, c'est une histoire de fou, là. On est tous pognés ici à cause de Suzy. Eh oui. Ah oui, je te l'ai dit. Non, mais vous êtes complètement cinglé. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Des animaux de laboratoire. Vous auriez volé une bombe atomique que ça aurait été moins dangereux. Non, c'est pas à ce point-là, quand même. Je vais vous poursuivre, hein? Vous et vous. Vous mettez ma vie en danger, ainsi que celle de personnes innocentes. Vous êtes des irresponsables qui méritent un châtiment exemplaire. Étienne. Quand je pense que ta clinique est en quarantaine, ben, quelle belle image ça donne, ça. Puis ma clinique à moi? Il n'y a plus personne qui va vouloir y venir après ça. On va tout passer pour des dangers publics, là. Étienne, calme-toi. Pascal n'a rien à voir là-dedans. Bon. C'est un malheureux concours de circonstances. Ouais. On va être enfermé ici combien de temps? Ça va dépendre du résultat des tests. On va faire des prises de sang. On va aussi devoir en prendre à tous les organismes vivants qui ont été mis en contact avec vous et avec les chiens inoculés. Les chiens sacrifiés, vous voulez dire? Et vous, là, si vous voulez pas être la première sacrifiée, je vous conseille de vous taire. Bon. Excusez-moi. S'il vous plaît. Est-ce que je peux savoir à qui vous parlez? Attends-moi une minute. À ma blonde, pourquoi? Pour savoir... Et parce qu'on va essayer de limiter les dégâts. L'opération doit être la plus discrète possible. Autant pour la réputation de votre clinique que celle du laboratoire. C'est pour ça que cette jeune fille ne doit pas utiliser le téléphone. Ouh, on a la chienne, ça dit? Une seule fuite et on va faire face à un véritable cirque médiatique. Good. Il faut absolument que je parle à ma femme. Mais moi, il faut que Jean-Claude soit au courant. Bon. Vous allez tous pouvoir aviser vos proches. Mais là, est-ce que c'est vraiment dangereux pour nous autres? Oui, parce que moi, j'ai pas très bien compris ton affaire de bébite, là. Peux-tu me le réexpliquer en gros? Oui. C'est très simple. Les chiens que cette charmante dame est venue voler... Libérer. ...est venue chercher dans les laboratoires sont des chiens auxquels on a transmis des bactéries pathogènes transgéniques. De que c'est? Bon. Des bactéries, ce sont de minuscules êtres vivants, hein? Microscopiques, qui sont très souvent responsables des maladies qu'on attrape. Elles sont transgéniques parce qu'on a modifié leur séquence d'ADN en y ajoutant, à l'aide d'un plasmide, un nouveau gène. On a créé une nouvelle bactérie. Ça va? Ben oui, on n'est pas des idiots. Attendez, laissez-moi faire, là. Le monsieur, là, il a donné au chien-chien des petites bébites méchantes. Hein? Ce qui a donné au pitou, la diarrhée. Là, ils font de la température. La petite niaiseuse qui est là, là, est allée voler au monsieur qui est là, puis elle s'est amenée ici, sans réfléchir. Ce qui fait que nous autres, on est toutes pognées à attendre pour voir s'il n'y a pas quelqu'un d'entre nous qui va attraper la diarrhée aussi. C'est-tu clair? Bon. Je peux vraiment pas rester ici. J'ai un avion à prendre dans 3 heures. Il faut absolument que je sois au siège social de Toronto demain matin. Vous savez, je travaille aussi dans une compagnie pharmaceutique. Alors, vous comprendrez l'importance oui, de... Oui, je comprends très bien, mais je suis désolé. Étant donné votre profession, je suis certain que vous comprenez, vous aussi, l'importance de ce qui se passe ici. Il est hors de question qu'on permette à cette bactérie de se répandre. Exactement. On a confisqué l'auto qui a servi au transport des chiens. Et tout le terrain ceinturant la clinique est passé au peigne fin au cas où les chiens auraient déféqué avant d'arriver jusqu'ici. Ils n'ont rien fait. Vous comprendrez que je ne vous fais pas confiance.
Oui, mais ça donne rien, ce que vous faites. Avant de venir ici, elle s'est promenée partout avec ses chiens. Ça fait 3 jours qu'elle a. 3 jours? Oui. Non, pas du tout. Elle les a volés ce matin. Quoi? Oh, je savais que vous attiriez le malheur. Je le sentais. Oh, mais là, c'est pas le temps, là. Il faut que j'appelle Joanne. Docteur Gauthier? Oui. Tu vas appeler ta femme? Il va bien falloir, hein? Elle a encore des doutes à notre sujet. Elle sera pas très, très contente quand elle va apprendre que t'es ici avec moi. Hmm? Tant qu'à être enfermée quelque part, j'aime autant être avec toi. Oh, moi aussi, ma chérie. Mais s'il y avait un petit peu moins de monde, là, ça serait même presque agréable. Hey, je te dis que t'en as fait une belle, toi, hein? Oui, puis je voulais libérer les chiens témoins, pas ceux déjà infectés. Mais la carte d'accès que j'avais piquée me permettait d'entrer juste dans une section de la bâtisse. Mais finalement, je pense que c'est mieux de même, hein? Hein? Ça les fait bien plus capoter, hein? Mais t'es malade, toi, hein? Ça va pas bien. OK, ça va. Prend du sang aux 6 heures, hémoculture, recherche anticorps. On va aussi prendre du sang à tout le monde. Aux 12 heures, ça devrait être suffisant. Est-ce que le gars des relations publiques va m'appeler? J'ai besoin d'aide pour contrôler les médias au cas où il y aurait une fuite. Je m'en occupe, docteur. Merci. Écoute, Jean-Claude, j'en sais pas plus que toi. Non, non, ça te donne rien de venir ici. Les gars qui rentrent ici sont tous habillés en astronautes. Je penserais dans un film de science-fiction. Hein? Fait qu'il a l'air pas mal occupé. OK. Attends une minute. Docteur Gauthier, c'est mon mari, il aimerait ça vous parler. Je vais faire un appel conférence pour les familles un peu plus tard. C'est que c'est le propriétaire de la clinique. Bien, passez-le-moi. Voilà. Merci. Bonjour, docteur Yves Gauthier, vous voulez me parler? Non, je ne sais pas. Ça me semble bien. Non, 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 non. Quoi? Pascal, excuse-moi, Pascal, mais il faudrait que je téléphone à Geneviève. T'accepte-tu? Ouais, ça sera pas long. Laissez-moi finir. Oui. Non, je comprends. Écoute. Vas-y, par contre. Non, non, c'est pas ça. C'est sûr que moi, je suis pas une. Non, c'est M. Seguin. Excuse-moi, là, attends, OK? Oui. C'est parce que j'aurais pas encore pu prévenir ma femme. Elle va s'inquiéter. Oui. Mais j'ai presque fini. Mais je sais pas comment tout ça va. Comme je t'ai dit, je sais pas, mais ça peut se régler cette affaire-là. On attend des nouvelles d'une minute à l'autre. Excuse-moi. Ben, j'ai pas encore pu mettre la main sur le téléphone, puis là, ça commence à hurler. Si j'avertis pas ma Geneviève Bateau, là, son sang va revirer en boudin. Qui, ça? Écoutez, je vous le prête dès que j'ai terminé. Hein? Oui, oui. Voyons donc, ma chérie. Jamais j'avais entendu une histoire pareille. Moi? Viens voir par toi-même, si tu ne crois pas. Viens. On peut y dire, attends, c'est vrai, si vous voulez. Puis il faudrait que je la dise à ma femme aussi. Pensez-moi. Non, non, c'est vraiment pas le moment, là. Hein? Michel? Oui? Non, 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 écoute, écoute-moi. Mon prochain moineau, ça va être un piron voyageur. Attention, tout le monde. Attention, s'il vous plaît, j'ai des informations à vous transmettre. Merci beaucoup. Bien. Alors, les chiens sont retournés au laboratoire où on a commencé à leur faire subir des tests. On continue aussi les recherches pour déterminer la pathogénicité de la bactérie en question. En ce qui nous concerne, on va tous subir une prise de sang maintenant et une autre dans 12 heures. 12 heures? Oui, on va passer la nuit ici. On s'apprête à nous livrer des lits de camp, des sacs de couchage, un souper. Une équipe médicale de l'hôpital Saint-Luc se tient prête à intervenir au cas où il se passerait quelque chose. Mais j'ai bon espoir que personne ne sera malade. Des questions? Non. Pas de questions. Qu'est-ce qui est dangereux au juste? La bactérie? Ben, le responsable de recherche n'a pas été très, très précis, mais d'après ce que j'ai compris, ils essaient de bloquer le mécanisme qui permet aux bactéries, de se transmettre les résistances aux antibiotiques. Bon, donc, les bactéries que les chiens avaient devraient être moins résistantes? En principe, mais ils ne savent pas encore si la mutation a marché. Hein? C'est la première fois qu'ils font des tests sur les animaux. Puis ils savent encore moins ce que ça donne si jamais des humains sont infectés. Mais ça fait longtemps qu'on sait que c'est dangereux de jouer avec la génétique. Comment ça se fait que c'est encore permis? Ah, voyons, c'est un domaine qui est plein de possibilités. Dans 10 ans, là, on va pouvoir traiter plein de maladies qui sont présentement incurables. Mais ce que je comprends pas, là, c'est comment ils ont été assez négligents pour se faire voler 2 chiens par une fille toute seule.
Elle est vraiment malade, cette fille-là. D'ailleurs, je me demande comment Jean-René a pu sortir avec elle. Oh, elle était pas comme ça dans ce temps-là. Je l'ai connue, moi. Elle était bien un petit peu idéaliste, là, mais pas maniaque. Quand je pense qu'elle met mon Jean-René puis tout le monde en danger. Si je comprends bien, c'est l'ancienne blonde de votre mari. On n'est pas mariés, mais oui, c'est son ex. Ah! Et puis, elle va encore le voir à l'occasion? Oh. Vous êtes pas jalouse, hein? Je suis ni plus ni moins jalouse qu'une autre, puis je sais que Jean-René est plus du tout intéressé par celui-ci. Oh, ça, c'est vous qui le dites. Mais il faut faire attention aux anciennes flammes. Très attention. Donc, présentement dans la clinique, il y a votre femme, docteur Dufour, il y a l'autre jeune fille vétérinaire, Suzy, Jean-René, Pascal et Marlène, et Étienne. Il y a aussi un client et un chercheur. Oh, ça, c'est inquiétant. Enfin, je veux dire, je sais pas comment ils vont s'arranger pour la nuit. On leur a apporté des lits de camp, puis tout ce qu'il faut. Ah! Ben, j'ai une idée, moi. On devrait faire la même chose. Ah, quoi, la même chose? Ben, restons ici tous ensemble. On vous a déjà tous réunis ici pour vous informer, hein? Et puis, il y a de la place en masse. Mm. Bon. Mais comme ça, on sera ici tous ensemble pour les nouvelles, on les aura en même temps. C'est une très bonne idée, ça. Oui, mais je vais appeler la clinique pour leur dire qu'ils peuvent tous nous trouver ici si jamais il y a un problème. Ah. Oh. Et crème donc pas ça. Merci. Ça fait mal pareil, hein? Mais je suis capable d'en prendre. Avez-vous vu comment Pascal est devenu vert quand l'infirmière a fait sa prise de sang? Je pensais qu'il était pour faire la planche. Il est douillette sans bon sang. Oh, moi aussi, j'ai pas aimé ça, hein? Une chose que j'ai pas amené mon petit Julius. Mon petit est tellement petit, il aurait fallu qu'il y ait une prise de sang, lui aussi. Ouais, puis une chance que le chenil n'était pas plein. Faire une prise de sang à tous les animaux, ça nous a presque pris une heure. Ils ont oublié ma perruque. En tout cas, si c'est grave, cette affaire-là, on va le savoir. Le moineau va tomber en premier. Pourquoi donc? Mais dans les mines, les moineaux tombaient au hour avant les mineurs. C'est pour ça qu'ils se traînaient des oiseaux avec eux autres. Alors, ça, c'était pour détecter la présence des gaz toxiques dans les galeries. C'est pas la même chose du tout, ça. Ah oui? C'est un détail. Vous, mademoiselle, là, vous les avez vus comme il faut. Ils étaient si bien malades, les chiens. À quoi on peut s'attendre comme signe? Vous la demanderez au grand chercheur. Les chiens avaient la diarrhée. Ben, ça pourrait peut-être aider ma perruque à se débloquer. C'est parce que elle a un problème au niveau de la sortie de secours. C'était pas pire, votre pizza végétarienne. Vous auriez dû essayer, Pamela. Non, merci. J'aime mieux ma bonne vieille Aldress. Et de toute façon, vous trois, vous l'avez quasiment fini. Bon, parce qu'avec du bon vin comme ça, ça passe encore mieux. Mm-hmm. Pascal, il est bien blood de nous avoir donné une de ces deux bouteilles. Man, un coup d'un. On joue-tu aux cartes? Un petit bridge, ça va passer le temps. Moi, je joue pas au bridge. Non. Toi, tu dois jouer au paquet voleur. Comment vous faites pour savoir que la chaîne d'ADN va se briser exactement au bon endroit pour introduire le gène que vous voulez ajouter? Ça dépend de l'enzyme de restriction. Ah. Chacun reconnaît une portion particulière de l'ADN. Et vous connaissez exactement lequel va avec quel segment? Dans le cas de la bactérie qu'on étudie, oui. Mais c'est loin d'être le cas pour toutes les bactéries. C'est un vrai péché d'être obligé de boire un bon vin comme ça avec de la pizza. Là. Franchement, Pascal, avoir su où mon cadeau était pour finir, là, je te l'aurais pas donné. Demain. Demain, on va vous servir quelque chose de mieux que de la pizza. Ouais. On a été un peu pris au dépourvu par les circonstances. Parce que vous pensez qu'on va être encore ici demain? Ouais. On fait au plus vite, mais il faut donner le temps aux bactéries de se développer. Non, est-ce qu'on pourrait parler d'autre chose, là? Hein? Bonne idée. Moi, j'aimerais vraiment comprendre. Vous dites que vous mettez un marqueur lumineux dans la bactérie. Oui. Marlène, est-ce que cette... Marlène, je t'en prie! Mais moi aussi, ça m'intrigue, là. Bon? Parfait, venez, j'ai quelque chose d'intéressant à vous montrer. Mais, ah oui? Oui, c'est aussi ce gène que vous introduisez. Mais, Marlène! Marlène! Je pense qu'on vient d'ajouter le gène cocu à ton code génétique. Non, non, non. Marlène a toujours eu beaucoup de curiosité scientifique. Oui, ouais, c'est vrai, ça, qu'elle a toujours été attirée par les choses bizarres. Les erreurs de la nature. Tout à l'heure, quand j'ai parlé à Joanne, elle m'a dit que Michel était en train de se renseigner sur toutes les femmes qui étaient présentes ici. Pas mal jalouse, hein? Oui, tu sais, ça. Il paraît aussi qu'elle n'a pas arrêté de faire des allusions à Joanne à propos de Marlène.
est encore convaincue que j'ai une aventure avec elle. Non, je ne sais pas combien de temps Joanne va endurer ça, mais tu sais que la patience n'est pas sa qualité dominante, hein? C'est même plutôt récessif dans son code génétique. Hey, tu m'as promis que ta femme serait discrète, hein? Tu connais les femmes? Ce sont des circonstances exceptionnelles. Qui aurait pu croire qu'elles auraient passé des heures ensemble? Hey, je te trouve pas sympathique du tout, là. On est peut-être en train de crever, infecté par un des monstres que le docteur Frankenstein Junior a fabriqué, là. Puis tout ce que tu trouves à faire, c'est de me stresser encore plus. C'est parce que le stress diminue l'immunité, tu vas peut-être crever avant moi. Toujours le même sens de l'humour, hein? Tu m'excuseras de ne pas rire. C'est à votre tour, docteur Dufour. Hein? Oh, excusez-moi, j'ai pas vraiment la tête à ça. On aurait dû leur demander d'appeler toutes les heures. Ouais. S'il y avait quelque chose qui allait pas, ils nous avertiraient. Oh, peut-être que non. Faut pas nous inquiéter. Mais oui, mais ils ont pas été en contact tant que ça avec les chiens, juste quelques minutes, puis la clinique a été désinfectée au grand complet. Oui, mais je me fais du souci pour Pamela. Elle est en bonne santé, mais moins jeune que les autres. Ben, elle doit être tellement inquiète. Attendez, là, je comprends pas ce que vous voulez dire, là. Au bridge, le fun, là, c'est pas de jouer, c'est de parler. Non, le fun, c'est de l'écouter parler, lui. Mais non, je suis très sérieux. Jouer au bridge, là, c'est comme faire l'amour. C'est tout aussi plaisant avant que pendant. Bon, là, là, on est dans la phase préliminaire. On s'excite. Bon, les quatre sont sur la table, vous ne les avez pas encore regardés. Tous les espoirs sont permis. Ouais. On peut-tu les regarder, là? Allons-y. Okay. Bon, maintenant, c'est comme quand ton ou ta partenaire se déshabille tout nu. C'est plus beau, moins beau que tu pensais, mais c'est pas grave. Parce que ce qui t'intéresse, c'est ce que tu vas pouvoir tirer de ça. Ensuite, c'est la phase de séduction. Oh! Vous séduisez une fois tout nu. Vous, c'est surprenant comme méthode. Pas tout. Vous m'avez pas vu tout nu. J'ai été marié trois fois, vous me rappelez? Au lieu de perdre votre temps niaisé, là, ça vous dérangera pas de venir m'aider à monter les lits? Mais on peut pas, Pascal. Une partie de bridge, c'est comme faire l'amour. Hein? Mm-hmm. Une fois que t'as commencé, t'aimes pas ça de faire déranger avant que ça soit fini. Ah, désolé, docteur Constantin, mais M. Séguin a raison. J'ai pas pleinement joui avec ma main. Ah! Mais non, ma main est quatre. C'est pas exactement ce à quoi je m'attendais pour ce soir, mais t'as rendu compte qu'on a toute une nuit ensemble? Hmm? Toi et moi, tout seul, côte à côte, et avec la bénédiction de ma femme. Comment t'as réussi ça? J'ai triché un petit peu sur le tirage au sort. J'ai dit ton nom quand j'ai pigé. Non! C'est pour ça que je tenais absolument à ce que ce soit moi qui fasse le tirage. Toute une nuit ensemble. Non, Étienne, j'ai vraiment pas le cœur à ça. Non, la discussion avec le docteur Gauthier m'a plus inquiétée que rassurée. Et c'est une nouvelle bactérie, inconnue. Non, je t'avais dit, là, de pas discuter de ça avec lui. Il sortait ses grands termes, juste pour t'impressionner, là. Je savais l'effet que c'était pour avoir sur toi. T'es tellement impressionnable, sensuel. Je suis pas impressionnable, je suis curieuse. Mmh. Puis je veux savoir à quoi m'attendre. Ouais, je peux te le dire, moi, à quoi t'attendre. Étienne! Étienne! Quoi, ça? La suite nuptiale? C'est le tirage au sort. Le tirage au sort. Que t'as organisé, oui. Non, je sais que t'as tiré, que tu dormais avec Marlène, mais pas nécessairement ici. Pourquoi moi, je serais entassé dans le bureau pendant que toi, tu te prélasses? Mais non, mais Pascal, sois un peu logique. Il n'y a pas de place pour trois lits ici. Et puis, c'est tout à fait naturel que Étienne et moi dormions ensemble. Naturel. Je pourrais dormir avec toi, moi. Parfait. J'ai hâte de te voir expliquer ça à Joanne. Et toi, Michel? Écoutez, c'est très, très flatteur que vous vous disputiez pour moi, là, mais vous avez l'air de deux enfants d'école. Si vous continuez, je vais dormir avec Maude, puis vous coucherez ensemble. Jamais!
Avez-vous de la fièvre? Tu dors pas? Vous arrêtez pas de gigoter. Mais les deux autres de l'autre côté ont pas l'air de trouver ça si pire. T'es entendu, toi aussi? Ça se peut-tu être effronté de même? Ils ont quand même été discrets. Franchement, moi, j'ai pas le cœur à ça. Pfiou! Ça me rassure. Je m'en fais pas. Est-ce que ça te fait peur, toi aussi? Un peu. Moi, là, j'imagine des millions de petites bactéries mutantes là, qui prennent d'assaut mon système immunitaire. Moi, je me dis que c'est pas bon d'avoir trop de connaissances médicales. Je me dis que c'est comme un gros rhume, c'est pas tout le monde qui va l'attraper. C'est pas parce qu'il y a eu des petites bactéries qui s'est promenée un peu à l'intérieur de la clinique que tout le monde va être malade. Puis en plus, tu avais tout le désinfectant qu'ils ont mis partout. Mais justement, as-tu vu toutes les précautions qu'ils prennent? Je suis sûr que c'est plus dangereux que ce qu'ils nous disent. Oh, le docteur Gauthier avait pas l'air si inquiet. J'ai même pas embrassé les enfants ce matin. Tout à coup, je les revois plus jamais. Voilà, Constantin, faut pas penser de même. Non, mais si je suis contagieux, ils les laisseront pas venir à l'hôpital. Oh, je les aime tellement. Mes petits amours. Docteur Constantin, voyons. Enfin, mais là, je veux pas mourir. Voyons, docteur Constantin. Vos petits enfants, vous allez serrer dans vos bras très bientôt. Hein? Excusez-moi. J'ai beau se curer, mais ça file pas pendant tout. Jean-René? Dors-tu? Non, je dors pas. Moi non plus. J'ai chaud. Et moi aussi, j'ai chaud. Tu sais, je suis désolée. M'en veux-tu? Qu'est-ce que t'en penses, hein? C'est sûr que je t'en veux. C'est pas ça que je voulais. Je regrette pas d'avoir volé les chiens. Je regrette de les avoir amenés ici. Je voulais pas mettre tout le monde dans le trouble. Je voulais juste rendre la liberté à des pauvres bêtes maltraitées. Suzy? Est-ce que tu connais l'histoire du gars qui voulait libérer tous les animaux d'un zoo parce qu'il pensait qu'il était malheureux? Hein? Il est arrivé devant la cage du tigre, il a ouvert la porte, puis il a dit au tigre, « Va, je te libère! » Hein, puis qu'est-ce qui est arrivé? Ben, le tigre a mangé le gars. Ben là, pas du tout la même chose. Je serais quand même pas assez folle pour aller libérer un tigre. Mais potentiellement, tes chiens sont encore plus dangereux qu'un tigre. T'as agi comme une inconsciente. Si tu veux. Mais là, en tout cas, la population va être en sécurité pour un bout. Je m'en vais probablement en prison après ça. Hey, femme-moi pas brailler, OK? Je suis certain que ton groupe va te payer le meilleur des avocats. Tu vas pouvoir exprimer toutes tes opinions durant le procès, puis tu vas t'en tirer avec une amende que les organismes de protection des droits des animaux vont te payer avec plaisir. Hein, tu vas avoir obtenu tout ce que tu voulais, déblatérer sur le mauvais sort que subissent les animaux de laboratoire. C'est parfait. Tu deviens cynique en vieillissant. Non, réaliste. Et moi, je sais pas ce que j'ai mal au ventre. Oh, moi aussi. Ah, faut que j'aille aux toilettes. Suzy. 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 Hey. Docteur Gauthier! Docteur Gauthier! Quoi? C'est Séguin. Il est malade. Hey, venez m'aider. Suzy vient de tomber d'un pomp, puis non plus, ça va pas en tout. J'appelle l'hôpital Saint-Luc. On va tous crever. Je me demande s'ils dorment, eux autres. J'espère, mais ça m'étonnerait. Pascal est déjà hypochondriaque sans raison, alors là, il doit être en train de s'imaginer 1 million de bactéries mutantes s'attaquant à son système immunitaire. Ça doit. Ouais, mais j'espère que ça va être réglé avant lundi, parce que sinon, il va falloir appeler tous les clients. Et là, c'est vrai que Pascal va tomber malade. Mais en plus, il est enfermé avec Étienne Raymond. Ça doit pas arranger les affaires. Oui, mais Étienne a Marlène pour s'occuper. Il est peut-être moins détestable dans ce temps-là.
quand je pense que sa femme est encore convaincue que c'est le docteur Constantin qui a une aventure avec elle. Oui. Ce serait presque drôle si c'était pas si triste. Michel doit être la seule à pas savoir qu'ils couchent ensemble. Et Pascal m'a dit qu'Étienne Raymond s'affichait de plus en plus ouvertement avec Marlène. Mais oui, mais tant qu'à ça, il devrait la laisser, sa femme. Parce que là, non seulement il la trompe, mais en plus, il la ridiculise. Ouais. C'est dégueulasse. Bon. Est-ce qu'on essaie d'aller dormir, nous aussi? Faudrait, hein? Mm-mm. On va aller voir si la tisane à la camomille de Jean-René fait. Oui. Non, je comprends pas. Je devrais être malade, moi aussi. C'est moi qui ai examiné les chiens. Je les ai manipulés, j'ai pris leur température, les signes vitaux. Mais j'ai rien, je me sens en pleine forme. C'est donc bien long à voir les résultats. Ça fait des heures qu'ils sont partis à l'hôpital. Ils sont peut-être en train de faire les autopsies. Les autopsies? Mon Dieu. Mais c'est une farce, Pamela. Vraiment pas drôle. Pas drôle du tout, du tout. Mais là, excusez-moi, là, je voulais juste détendre l'atmosphère. Bonjour tout le monde! Je suis en pleine forme. Moi, j'ai dormi comme un bébé. Ça me rappelait les étés que je passais au camp de vacances. Hein? Je t'ai même pas entendu ronfler, Pascal. Parce que j'ai pas dormi de la nuit, imagine-toi donc. Ah, toi, t'achètes ton petit confort. Hein? Pamela, est-ce que le bon café du matin est prêt? J'ai vraiment pas la tête à faire du café. Vous avez rien entendu, vous autres, cette nuit. Il y en a trois de nous autres qui sont partis pour l'hôpital. Malheureusement, c'est pas toi. Trois malades? Est-ce que vous avez eu des nouvelles, là? Le docteur Gauthier est en train de téléphoner. Bonjour. Comment ça va? Non, reste ici près de moi. Ils ont été en contact avec des malades cette nuit. Ils sont peut-être contagieux. Qui ça qui est malade? Personne. J'ai de très bonnes nouvelles pour vous. Premièrement, l'hôpital vient de me confirmer que les maux de ventre de nos trois amis n'étaient pas dus à la bactérie, mais bien à la pizza végétarienne. Ils ont été victimes d'un sévère empoisonnement alimentaire, mais ils sont tous soignés et ils vont sortir de l'hôpital aujourd'hui. Ah, merveilleux! Ah, ils vont sortir dehors? Oui, c'est mon autre bonne nouvelle. Toutes nos cultures sanguines sont négatives. Aucun d'entre nous a la bactérie. C'est fantastique, j'appelle Joanne. C'est déjà fait. J'ai pris la liberté de les informer il y a tout ça une grosse demi-heure. Votre technicienne est sûrement pas loin de l'hôpital. Elle était très heureuse. Et nous, on n'a pas été mis au courant. Il me semble qu'on aurait dû être les premiers informés. Oui, vous avez raison, mais le lieutenant Deschênes m'a demandé d'attendre un peu pour lui laisser le temps de régler les derniers détails. Maintenant, c'est fait. Génial! Moi, il n'y a plus rien qui me retient ici. Alors, bye-bye, hein? Ma fin de semaine n'est pas complètement gâchée. J'ai de la randonnée à faire. Pardon. Laissez-moi vos coordonnées au cas où. Au cas où quoi? Il me semble que vous avez dit que tout était correct. Oui, oui. Oui, oui. C'est juste au cas où le docteur Pelletier aurait besoin de plus d'informations. Ah, ben, bien sûr, oui. Eh bien, ça a été toute une aventure, hein? Heureusement que chacun a su garder son calme, non? Moi, le premier. Sacré Pascal, on s'ennuie jamais avec toi. Attendez ce qu'il a dit, le monsieur. Tu peux t'en aller. Non. Je te rappelle pour qu'on finisse notre réunion. Oui, t'as raison, on remettra ça. J'ai besoin d'une bonne douche. Moi aussi. Oh, Jean-Claude! Pamela! Oh, tu vas bien? Joanne! Ça va bien! Joanne! Michel? Minable. Mais... Non. Marlène, je suis sûr que tu... Hein? Oh, merde.